Chapitre 6, verset 53 de l'Évangile selon saint Jean. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant et m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Et ici, nous prenons la communion, nous faisons la communion avec le corps et le sang du Christ, pas une fois par mois, mais une fois par semaine. Chers frères et sœurs, le chrétien, il ne s'habitue pas à quelque chose parce qu'il sait très bien que maintenant, il va prendre part à la communion du corps et du sang du Christ. Il va confesser pour les péchés qu'il aurait fait dans la semaine et de tout ce qu'il a pensé, et tout ce qu'il a pu faire et attrister le Saint-Esprit et Dieu. Et son cœur et son esprit va s'entrouvrir. Et il va demander le sang du Christ pour qu'il soit purifié de tous ses péchés qu'il a pensé ou accompli. Parce que nous savons, boire et manger le corps et le sang du Christ, et il demeure en nous. Et ainsi, nous demeurons dans le Christ et le Christ en nous, en mangeant et en buvant le corps et le sang du Christ. Levons-nous, chers frères. Et que chacun prie pour lui-même, et que les anciens s'approchent pour que nous puissions préparer la scène, et pour que chacun puisse prendre le corps et le sang du Christ pour être béni.